Merci à nos partenaires, le resto-bar Chasse et Pêche et le magasin La Riboudingue Jeux et Jouets. Galère à Pagos, un jeu collaboratif, mais pas tant. Les joueurs sont pris sur une île déserte et ils doivent s'en sortir avant que la tempête arrive. À chaque jour, les joueurs peuvent faire une action, soit fabriquer un radeau, aller chercher de la nourriture et de l'eau, ou aller à l'épave chercher des trésors. Dans l'épave, il peut y avoir une canne à pêche pour aider à mieux pêcher, ou un sandwich pour pouvoir passer la journée et manger. Si à la fin d'une journée, il n'y a pas assez d'eau ou de nourriture pour subvenir aux besoins de tout le monde, la tribu doit voter qui sera éliminé. Moi, personnellement, au lieu de voter, je préfère sortir mon pistolet et en tirer un à l'occasion. Quand la tempête arrive, c'est le temps de partir. Seuls les survivants qui pourront embarquer sur un radeau, avec assez de nourriture et d'eau pour eux, pourront quitter l'île. Les autres resteront derrière. Et dans notre cas, seuls les survivants auront des points. Parce que c'est ça, Galère à Pagos. Dernier jeu, Galère à Pagos, et on a, pour ce dernier jeu, notre cher ami Julien Normand! C'est la première fois que j'entendais parler du jeu, puis avant de jouer avec les explications, je me suis dit, faut que je coopère avec les autres pour passer le jeu, mais faut quand même que je me garde du stock au cas où ce que j'aurais à survivre seul, ce qui allait possiblement arriver. Parfait. Avant de commencer, faut tourner ça, je pense, hein? Absolument. Ok, Macarena. Oh! De l'eau! On veut de l'eau! Dodo. On va se coucher. Ben écoutez, je vais y aller avec l'eau pour commencer. On va garnir ça. Fait que plus deux dos. C'est ça mon tour. Deux dos. C'est gentil. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Charlo? On train de crâne à santé. Rendu où est-ce que je suis dans le classement, je suis bon dernier, même si je gagne tout seul, je vais perdre. Fait que moi, là, c'est un game-là, c'est un jeu-là, c'est je gagne tout seul ou personne gagne. C'est la vengeance de Charlot. Je vais prendre une autre fois deux dos. On va faire ça? Oui. OK. Je vais aller pêcher. Donc là, bonne j'en décision. Prends T'en prends qu'un. J'espère que c'est la boule noire. Ah, je sens qu'elle a une densité un peu... Le noir est plus lourd que le bois. Est-ce qu'au toucher, il y a une différence? Non. Deux, ça se peut. C'est un, deux ou trois. Ça va. Et voilà. Je suis pas mal. C'est un joueur. Voilà. Et moi, comme c'est le premier tour, qu'on est moins en danger, puis qu'on peut oser... Ah, j'ai fusé. aller construire rapidement un radeau. Ouais, c'est bon. Comme ça, le pire qui arrive, c'est que je passe mon tour, mais c'est comme moins grave vu que c'est le premier tour. T'essayes-tu quelque chose? Ah oui, c'est ce que je dis. Combien t'en prie? Faut que je le dise avant. Ouais. Parce que là, ça, c'est acquis. Ce que tu vas chercher là-dedans, c'est une de plus. C'est une de plus, ouais. Attends, t'en as forcément un. Trois? Ouais. C'est beaucoup. Ben, c'est une chance sur deux que tu pognes la noire. OK. Attends. Juste... C'est le premier tour. Elle peut un et ne pas piocher? Oui. OK. Là, on est 5. Fait qu'il faut se dire qu'il faut faire 30. On est beaucoup. Je peux me permettre de passer 3, un tour. 30, c'est gentil. Il y a aussi, peut-être que vous l'avez, je ne sais pas, mais il y a une planche aussi dans les cartes. Tout ça, c'est un radeau direct. Je pense qu'il y en a peut-être plus qu'une, même. Une ou deux. Fait 3. Ouais. C'est quand même risqué, mais. Gros move d'équipe. Wouh! Oh! Oh! 1, 2, 3. Hey, on a quasiment déjà un radeau. C'est incroyable. Merveilleux. Ça se rend à 6. Ah, on le nommera le Joël. Le Joël. Ok, tu vas pêcher. Non. Vas-y. Hein? Elle pêche. Combien? Deux. Ah, ça va, là.
Puis là, le tour est fini. Le tour est fini. Donc, c'est une ration chaque de chaque. 1, 2, 3, 4, 5. Fait qu'on y va pour 1, 2, 3, 4, 5. On est à 9 d'eau. Puis 1, 2, 3, 4, 5, 7 de nourriture. Parfait. Où ça descend vite. Exactement, ouais. Ouais. Et on est dans une nouvelle journée. Donc, oh! 1, 2, 3, 4, 5. On tomberait à combien? 4 d'eau. En fait, on va tomber à 4 d'eau. Ça me stresse, parce que c'est le genre de jeu où c'est pas le jeu qui t'impose de mentir, c'est vraiment juste ta personnalité mauvaise qui ressort. Puis moi, j'ai pas confiance en ces personnes-là près de moi. J'ai le feeling qu'on pourrait réussir à gagner sans trahison, mais que juste pour le fun, il va y en avoir. Je sais pas pourquoi je suis aussi stressée, sincèrement. Leur feriez-vous confiance à ces personnes-là? Pas folles, sont maniaques. Aucune confiance en eux. Là, il faut qu'on joue comme en équipe, mais n'importe qui peut te backstabber dans le dos si jamais il y a soif. Je crosse pas ça parce que je sais que j'ai pas l'esprit de tueuse en moi. J'ai pas ce qu'il faut pour tuer. Alors, je vais Rado. Donc, Rado, j'en avais déjà un et je tente. Fait qu'on a un Rado, là? Ouais. Tu tentes? Ben ouais. Pas de suite, il faut qu'il se rende à 6. Non, c'est ça que je dis, c'est 6. Non, ça, c'est 5. Ouais, je fais quoi? Je fais 1 pour être sûr d'avoir un radeau. Mais est-ce qu'il peut faire plus? Non, quoi qu'il en soit, j'ai 1, mais je peux être certain. Il repart la loupe des radeaux. Il peut faire 5 encore. J'ai l'impression que ça serait petit joueur de faire... T'as fait 3, j'ai... OK, 2. Ouais, mais c'est pas le monde. Est-ce que c'est les deux en même temps ou c'est un après l'autre? C'est dans le temps. En même temps? Je sais pas pourquoi... Dans le sens où tu peux pas changer ton choix. Ok, on est chanceux là-dessus. Là, on a un radeau. Là, on est rendu à 1. Là, je comprends que le jeu, c'est beaucoup plus de la survie que de la détente. Très peu de cartes noix de coco. Plus hydratant que l'eau en plus. Donc, je pensais que ça allait être. On pouvait un peu genre siroter un petit cocktail en même temps d'attendre les secours. Mais non, en fait, il faut survivre et décider, genre travailler, aller chercher de l'eau, construire des choses. C'est pas du tout les vacances auxquelles je m'attendais. Comme par hasard. Je trouve quoi, t'as dit? Je pense trop à l'équipe. Trois! Yeah! À date, je suis fucking efficace. C'est vrai? Parfait. Je prends la noix juste quand j'en ai besoin. Voilà. Moi, j'en pogne deux là, puis je check mon signe. T'es pas... Tu nous les montres pas. Tu choisis celle que tu préfères, puis l'autre, bye-bye. Donc, on sait pas si t'es type Une bouteille d'eau. Ah, fait plus un d'eau. OK. Je vais... Ouais, je pense que je vais y aller avec le radeau. Plus 1. Là, je vais en piger 2. Vu qu'on peut pas aller chercher de l'eau, c'est bien qu'on aille chercher de l'eau. Calice! Je me suis fait mordre à un endroit que je peux pas mentionner à la caméra parce que je me ferais censurer. Ça a fait extrêmement mal. J'ai eu des semaines à m'en remettre. Mais ça m'a pas fait peur pour la suite. Je m'en suis remis. J'ai une belle cicatrice. Vous voulez vous voir? Non, c'est vrai, je peux pas montrer. Oui, nouvelle journée. Zéro. Oh! Ah, ben, on a une chance qu'on est allé. Ah, mais on a oublié d'enlever 5 eaux, 5. Ah oui? 5. T'as 6 de jeu-là. 5. On a une corde d'abondance à un moment. OK. À 0, ça, il nous reste encore une vie. Oui, parce que. En fait, c'est. Est-ce qu'on en mange 5? Qu'on en mange 5? Il nous en reste. OK, ça, c'est ce qui nous reste. Ouais, exact. Là, il faut récupérer de l'eau, là. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. On mourrait pas, mais il nous resterait plus une si, goutte d'eau. Si. Allez. Prochaine journée, on tombe à quelque chose de petit, on est dans le chenou. J'ai rien qui peut aider là. Je pioche. Je pioche aussi. Ah, j'ai une hache. Eh bien, vous voulez savoir ce que j'ai pioché? C'est rigolo. Brosse coup, à WC, cet objet ne sert à rien, en tout cas pas ici. Ben là, à partir de maintenant, Joël, tu deviens préposé au canot. Fais ce que je veux. Okay. Ah, il y aura Jojo 1, il y aura Jojo 2. Fais ce que tu veux, deux. Mais moi aussi, je fais ce que je veux. Ah ben, je fais ça. Elle va avoir une flotte. Ça, elle est dans le radis. Fait que qu'est-ce mais je vais chercher ça ou je vais chercher la bouffe? Moi, j'irai avec la bouffe parce que comme ça, le tour d'appoint se concentre que sur l'eau. Ouais. OK. Ça serait le fun qu'on donne un petit peu. Un petit peu d'avance. Julien, skip son tour. Ouais, je skip mon tour. Ah là là, le pauvre. Qu'est-ce que t'as pas, Charlotte? Est-ce que t'as pas commencé? Je vais pêcher. Je vais me rappeler que vous avez pigé, vous.
C'est plate, elle est empoisonnée. Hein? J'ai une hache. Ouais, ça, c'est juste un petit jour de repos. Ouais, mais je peux pas vous aider à survivre. Là. Ah, on t'en veut de manquer d'eau, Colbert. OK, ça reprend. Là, on enlève 5. 5 de chaque. Et là, ça devient du sérieux. Là. C'est quoi? Zéro encore! Trois tours de zéro d'eau! Ben, tout le monde pioche et il faut qu'on ait de l'eau, là. Ouais, tout le monde pioche. Mais une nourriture aussi. Pardon? Tu fais de la nourriture aussi. Ouais, on agit mal, là. Attendez. Ouais. Dans la panique, dans le doute, puis... T'as rien pioché d'intéressant? Non. OK. Avez-vous de la bouffe dans vos trucs? Bouffe, oui. Ça serait le temps de l'acheter. Pourquoi? Ben parce que... 1, 2, 3... Ça compte pas dans nos tours. Là, qui a pioché en ce moment? Moi, j'ai pioché. Ouais. J'ai pioché de la bouffe. OK. Mais ça, tu peux le jouer quand tu veux. Tu peux le jouer à la fin du tour si tu vois qu'on est en panique ou tu peux te le garder pour toi, pour survivre. Bon, là, c'est pas drôle, là. On va peut-être tous mourir. On va peut-être tous couler, noyer, pas d'eau, desséché, déshydraté. Ça? J'ai épuisé. OK. J'ai épuisé 3 d'eau. 1, 2, 3. Ouais, mais moi. Ouais, c'est pas juste sauver ta peau, t'as sauvé la peau de d'autres. Hey, c'est parce qu'on meurt pour la bouffe aussi jusqu'à maintenant. 1, 2, 3, 4. Une personne meurt. La bouffe, je peux peut-être faire de quoi? 4. Il y aurait 2 personnes qui meurent. Je vais essayer de pogner de l'eau de bord ou de la bouffe? La bouffe. La bouffe? Non, vas-y pour de l'eau. J'ai quoi qui peut aider pour la bouffe? OK. Fait que je dois aider. Un barbecue? Un barbecue. C'est juste la nourriture. Une ration d'eau! Bro, OK, mais là, il y a quand même une personne. Là, en ce moment, il y a une personne. Si toi, t'as la bouffe et moi, j'y vais pour l'eau. T'as de l'eau? Non, mais j'y vais pour l'eau, quoi. Moi, j'ai de la bouffe, mais je vais quand même piger pour essayer de pogner de l'eau aussi. Je peux nous sauver en bouffe? Oui, mais t'es sûr. De l'eau. Ah oui, OK. Dans le sens là, tu peux la jouer et piocher. Exact. OK, pardon. Vas-y. Je veux la dessus? Non. Il bluffe. Pourquoi nous, on est mieux? OK, je vais vous dire pourquoi. C'est que c'est de la bouffe empoisonnée. Fait que si je pige un autre morceau de bouffe, je vais jouer ma vraie morceau de bouffe et non ma bouffe empoisonnée. Sinon, il faut que je chippe un tour, tu vois. Okay. Fait que je préfère attendre à la fin du tour avant. Bon point. C'est humiliant. C'est un vieux slip. Je le mange, c'est nutritif. Cet objet ne sert à rien si ce n'est vous apporter éventuellement un peu de confort. Ah non, il n'y aura pas de gagnant cette fois-ci. Okay. Sinon, il y a quelqu'un qui est dead. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui est mort ou presque. Non, parce qu'il veut peut-être passer un tour. Ah, c'est vrai. Okay. Ah, donc il faut que j'aille pour de l'eau. T'es allemand. Faut que j'aille pour de l'eau. Faut que t'essaies pour avoir de l'eau. De l'eau. Je le dis, mais ça marche pas pour ce tour-ci, là. Je me permets de récupérer rien, 2 fois plus d'eau à chaque tour si je choisis l'action. Ça sert à rien. Parce que là, il n'y a pas d'eau. Bon, là. Non, mais il est intéressant. On doit. Voilà, ne me tuez pas tout de suite, hein. J'ai de l'eau, les gars. Bon, OK. La journée est finie. 1, 2, 3, 4, 5, donc quelqu'un meurt là. Est-ce que tu choisis d'utiliser ta bouffe? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui meurt, il meurt anyway? Ben oui, de toute façon, oui. Faut pas ressusciter personne? Faut passer au vote après. Ben, ça, ouais, ça sert à rien, j'utilise ma bouffe. 1, 2, 3, 4, 5. Quelqu'un veut ça? J'ai rien d'autre ici. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais voler ta gourde. Pour te protéger. Permet de voler une carte à effet permanent qui se trouve devant un autre naufragé. Donc là, il vient de m'enlever un privilège pour garder pour lui. Oui, mais il y a bien ça parce que là, il se protège parce que lui, il n'y avait rien d'intéressant. C'était celle où j'ai mais tu penses que la gourde est encore plus importante, surtout en soi-même. Bah oui, bien sûr. Donc tu m'as tasé. Ça hein. Joue plus en ouais. Benji. Je suis un peu vexé là actuellement. Je me suis fait taser. On m'a racketté, on m'a pris ma gourde. Je suis à votre merci actuellement. On est sur une île déserte. Gardez un petit peu de dignité si ça vous dérange pas. Bah, c'est clair, bon. Ça, on passe au vote. On passe au vote. Fait que ben, ça joue Benji puis Julien, Megan. Non, bah Megan, c'est pas non plus ultra intéressant. Ouais. Elle peut voir, mais elle apporte pas. J'ai amené 3 d'autres alors. Mais on a tous fait pour tout le monde. Mais c'est pas rien, mais ça peut devenir quelque chose de dangereux. Qu'elle aille contre nous, à un moment donné, si elle vient... Ouais, fois, mais j'aime mieux ne pas penser aux dangereux. C'est après que je vais penser aux dangereux.
C'est plus utile pour moi en ce moment que dangereux. Tu peux-tu... Vu que c'est toi qui es ramassé avec la gourde, après c'est le tour à Megan de commencer. Moi je finis. Toi tu vas vouloir pogner de l'eau. Veux-tu donner ta bouffe à Benji? Mais il va manquer d'eau, oui. Il va manquer d'eau de toute façon, tu vois. Il y a quelqu'un. Oui. Non, attends, je pense qu'il y a de quoi, lui. Je pense que Julien. Si t'as de l'eau, mais si t'as de l'eau, mets-la tout de suite. Donne-y de la bouffe. Cool, personne ne manque. Mais je suis empoisonné. Est-ce que ça veut dire que je passe un tour là? Ben pas. C'est lui qui passe un tour. Bah, là, on est à zéro. Merci. Ouais, fait que on a quand même évité quelqu'un meurt. Ouais, c'est sûr. Mais t'as été selfish de pas le dire dès le début que t'avais. On s'en allait voter. Moi, j'étais à ça. Je disais que si je mourais, au moins, je survivais. Là, on passe à la prochaine journée. Du coup, eux autres, il y avait. Qui est ça, mes gars? C'est. Deux d'eau. C'est le double? Ouais, c'est le double. Ouais. C'est sûr, je suis pas. Mais tu me l'as volé. Je ne l'oublierai pas. Fait que là, Benjamin, il peut jouer soit une carte ou rien faire. C'est quelque chose qui ferait soit de l'eau, soit de la bouffe? Non. Ou un gun. Mais là, il faut qu'on tue quelqu'un. 1, 2, 3, 4, 5. Quelqu'un a 5. Ah ouais, on meurt vraiment facilement dans le jeu, quoi. Ouais, c'est top. À moins qu'il y ait quelqu'un. Est-ce que s'il y a quelqu'un qui veut aider, c'est maintenant. Sinon, non, Julien. faut passer au vote. Mais comment on vote? Moi, j'ai. Attends, c'est bon. Il fait dans la minute. Je suis pas une banque alimentaire! C'est deux vies que je sauve! Non, non, ouais, c'est facile de dire chauve des gens. Ouais, je pense qu'en ce moment, tu nous mets plus dans la baraque. Donc c'est surtout le temps qu'on tue quelqu'un d'autre. Non, non, c'est clairement toi qu'on allait te tuer. C'était censé être moi le fucker dans ce game-là, Stick. Tu sors d'où, Julien, là? Aide-nous, là, un peu, là. Moi, je. Ça fait deux fois, là, la gang, là. Enfin, moi, je commence à avoir envie de le sortir, là, ce petit Julien, là. As-tu quelqu'un qui a un gun? Parce que moi, j'ai une balle. Hey, on est tellement occupés à pêcher puis à pogner de l'eau qu'on pige jamais dans le coffre. Ouais, c'est ça. C'est risqué pour ceux qui ont des bonnes affaires, là. Ouais. Parce que là, prochaine journée? C'est à moi. J'ai l'impression que ça va être la tempête live. Non, c'est la tempête. Ah! Un coup, hein? Mais avec deux dos. Avec deux dos. OK, là, il faut calculer deux secondes, OK? Ouais, c'est vrai, ouais. Parce que là, premièrement, là, c'était Benji qui l'avait ou tu viens de le prendre? C'est moi, c'est à mon tour. OK. On a deux canaux. Joël, peu importe qu'est-ce que tu fais, si tu joues, tu vas chercher un troisième canot. Ben non. Oui. Ben, si. C'est un, deux. Tu sauves une personne de plus. Ouais, mais après ça, vous allez tous me tuer avec vos affaires que moi, j'aurais pas. Qu'est-ce que tu dis qu'on a? C'est sûr que vous avez. Là, ça va être la tuerie, là. OK. Joël, moi, t'as un canot qui est pour toi depuis le début. T'en as créé deux. Ah, mais je m'en fous. Je peux sauver. Moi, je voterai pas contre. En ce moment, je suis complètement sur mes gars. J'ai terrifié. J'ai terrifié. Okay. Elle peut pas décider de prendre un canot. OK. Fait que 7, ça l'amène 3 personnes. On est encore à 3. C'est sûr qu'il y a 3 personnes qui survivent maximum. À moins que quelqu'un ait une planche. Guys, je me le gardais, mais là, j'ai une carte qui me permet de voir les 3 premières cartes de la pioche des cartes épaves sans les montrer aux autres. Ah, c'est parfait. Ça compte pas comme un tour. Tu vas juste les regarder. Après ça, tu décides. Est-ce que tu vas piger? Ouais. Tu pourrais quasiment nous en parler. On pourrait prendre une décision. Je pourrais, oui. Je pourrais vous dire, les gars, faut piocher. Mais fais-le live. Mais est-ce que ça serait possible que les gens aient sauvé? Ça serait malade mental dans la tête. Ça se fait, c'est juste qu'on a pogné 3-0 d'affilée. Ouais. Ce qui est quand même assez assassin. OK, les gars, c'est super cool. Je vous le dis, il y a une planche, une ration d'eau et 3 rations de nourriture. Une ration d'eau, 3 rations de nourriture? Ouais, 3 rations de nourriture. Attends, la planche peut... Ah, mais attends, c'est parce que... OK. C'est dans ce sens-là, par contre. Hein. Ouais, faut que t'aies. C'est la troisième, la planche. Première, c'est de la nourriture. Non, mais attends, moi, je vais le piger, je vais être sûr que... Oui, elle a choisi celle qu'elle. Ouais, aussi. Mais donc là, il y a nourriture, eau, planche. 3 nourritures. Et là, on va faire l'action d'aller chercher la bouffe. Ça nous fait 3 de bouffe. 1, 2, 3. On serait là. Fait qu'il faut que quelqu'un s'occupe de. Je prends la bouffe déjà, sûr. La bouffe, c'est la première, t'es sûr? Ouais. Oui. Oui, c'est sûr. OK, fait que prends la bouffe, sûr. 3 rations de nourriture. OK, 3. Moi, je prends un radeau. Oui. Tu sais tout, ça sert à rien d'aller piocher.
Mais c'est la pioche, au pire, il n'y arrive à rien, j'ai l'antipoison. Oui, mais ça sert à rien, même au maximum, elle ne peut pas aller jusqu'à un autre radeau. La tempête est là. À part si quelqu'un veut aller prendre un radeau, à part si quelqu'un veut aller faire un radeau. Non, c'est à la fin du tour. Il faut avoir assez de bouffe de toute façon. Fait que là, on a trois de bouffe. Il faut que Mégane et Julien pêchent. Ouais, et toi, tu vas chercher l'eau. Non, parce que quoi, la deuxième? C'est l'eau. Je vais aller chercher l'eau. Non, tu vas pas chercher l'eau là. Non, non, je vais chercher l'eau là-bas. OK, fait que moi, je vais pêcher. Ouais, je pense que c'est la meilleure chose. Si Mégane a pas une 3, là, Julien peut aller chercher le radeau. Mais ça va rien changer de toute façon. Mais non, parce que ça aurait été sinon Joël qui a fait un radeau. 3, Mégane. Ouais. Je suis nulle à chier. Avec les poisons, c'est ça. Je suis mieux pêcher. Tu veux ici. Ouais, là, t'as combien de bouffe? T'as 4. Faut que t'aies 2. C'est pas de noir. Il y en a un! Il y a juste deux personnes. Il y a juste deux personnes qui survivent? On va mourir. Des gens qui vont mourir. Probablement. Oui. Parce que là, il n'y a plus de rien. C'est rien que j'ai un gun, j'ai pas de balle. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais en faire un qui sert contre le poison pour pas. Si tu te fais mort par un serpent. Il n'y a plus de serpent, il n'y a rien que de tempête. Je sais pas si mon poison anti-serpent va m'aider. Là. Pense pas. Je vais faire ça. Attendez! C'est trop tard. Je me permets de voler une carte au hasard à trois naufragés. Fait que mettez vos mains. Attends, mais à combien on survit toutes? Fait que je vais en voler un à Mégane. L'affaire pour sauver le poison que j'ai tout à l'heure. Je vais voler Joël. Elle a rien, Joël, je pense. Ah, non, j'ai mon physique. Mais t'as pas de balle. Si je vais. Ben, je vais voler Charlot. Ben non, c'est à moi, merci. OK. Donc t'as un fusil et une balle? Ouais. On peut plus faire confiance à personne. On peut pas jouer là faire confiance aux gens. Ça sort le mauvais qu'il y a en nous. C'est... Je ne vois... Ça me confirme ce que je savais déjà sur les mauvais visages. Il y a Julien qui fait des drôles de souris puis qui a l'air de cacher des affaires. Charlot assurément il cache des affaires, c'est sûr à 100%. Benji, toujours... La seule que j'ai confiance, c'est Mégane. Genre, on peut voter. Elle a l'air de pas vouloir tuer personne. Moi, je suis juste ses nerfs. Je me garde des ressources, pas pour gagner puis pour fâcher tout le monde, parce que je les trosse pas. Je suis insécure. Si tu te fais tuer par Julien, c'est ça. La seule façon que Benji. Mais on peut pas voter contre Benji sinon. Il n'y a pas d'autre fusil. Benji. Oui, wow, ouais. Ça, tu l'as joué, Joël. Oui, je l'ai joué. Ouais, je l'ai avancé. Okay. J'ai. Ouais, t'as rien d'autre à perdre, moi, j'ai quelque chose ici qui pourrait peut-être tuer quelqu'un d'autre. Mais. Attends. Bah, moi, je vous le dis, il n'y a pas de coup caché. C'est si quelqu'un a. Ça ne marche plus, mais à la fin du tour, ça a donné 2 rations de nourriture pour chaque naufragé mort durant le tour. Okay. Comme personne n'est jamais mort, je ne l'ai jamais utilisé. À nous deux, on peut choisir exactement. Ah, ben, attends. J'ai le droit de la montrer? Si, je vois. Attends une minute, attends. Tu sais qu'on respecte pas les tours, là. De bouffe? À nous deux, avec les gaffes qui m'ont fait morte. On choisit qui qu'on. Qui est la soeur? Non, c'est ça. Hein. Et là, je me rends compte que ce n'était pas du tout une question de décision, c'était juste une question de violence pure et simple. Tout le monde a des guns, tout le monde a des balles. Je peux rien faire dans cette situation. Genre, je peux me cacher derrière un buisson, c'est tout ce que je peux faire. Là. Actuellement, personne n'est immunisé. On a juste des avantages, personne n'est immunisé. À part Joël qui a une carte secrète. Si je peux piger 2 cartes pour choisir la meilleure. C'est fini. Alors attendez, soit Joël... Une balle. Ah, tu peux la donner à quelqu'un. Tu peux la donner à Julien. À Julien, ça sert à rien. Ou à Mégane. Elle a un flingue aussi. Ah. Ouh là là, ça va faire à la mexicaine. Je veux juste, comme ça, je protège Mégane. Tu protèges Mégane? Ben, je lui ai donné ma balle. Il va te tuer, prendre ta carte. Quoi? Il va avoir une autre balle, il va tuer Mégane, et après, on va partir tous les trois entre chum. Un boy. Puis le premier, en tout cas. Hé, un instant. Pourquoi on ne parle pas juste de toi? Pourquoi? Parce que vous avez des balles et des trucs, elles viennent de. Hein? Est-ce que je suis quelqu'un aussi? C'est quoi? Alors. Attends, t'as une balle et ça? Associé à la hache me permet de tuer l'un de mes voisins. Donc Mégane. Et Benjamin. On n'est pas tellement voisins, je trouve. Il y a tellement d'espace. On est dans un autre quartier. C'est tout? Ok, c'est qui tu tues? Benjamin. C'est vrai, plus quelqu'un? Attends. Pas obligé. Mais. On a pas mal. Parce que lui, il y a tellement de votes. Lui, on peut pas voter contre lui. Ouais, mais en même temps, les votes, ils servent plus à rien. Vous avez assez pour tuer deux personnes. On a assez pour partir. C'est vous autres qui décidez qui vous tuez.
Julien, stratégie aussi. Megan est dans le top du classement. C'est pas toi qui est numéro 1? Ouais, c'est égalité. C'est lui qui est numéro 1. On pourrait tuer les deux premiers. Tu gagnerais pas plus. Le premier qui tire l'autre aussi. Ah, tu te concentres-tu? On va commencer par mettre ça sur la table. Ou intimider. C'est vraiment le coup du... C'est un peu le même feeling que t'as de la parenté qui vient de mourir, puis autour de la table, tu sais qu'il va y avoir de l'héritage, mais tu sais pas c'est qui va l'avoir. Mais tu le sais que quelqu'un va l'avoir. Même affaire. Qui va hériter du radeau? Je le montre pas. Ok, regarde. Il est là. Ben, je m'excuse. Je m'excuse sincèrement. Il faut que je tue un de mes voisins. Puis Megan, elle m'a donné un fusil tantôt. Elle est vraiment avec. Pourquoi pas Charlot? Parce que je peux pas le tuer. Moi, j'ai voulu te donner une balle tantôt. C'est ah. Un de deux. Pourquoi tu tues aussi? T'as vu mes intentions, en fait. Tu peux ne pas encore tuer quelqu'un et puis attendre de voir. Je pense qu'elle t'a tué. Je pense pas que tu parles pour que t'es mort. Je pense que j'ai pas le choix. T'augmentes une chance d'être dans le truc, mais je veux dire, tu te sauves pas plus en faisant ça, à part de dire que t'as tué quelqu'un. Non, c'est vrai. Mais il faut qu'on tue des gens, sinon on peut pas tout ouais, tuer. Ouais, c'est ça. Ben pourquoi moi? On peut voter aussi contre les gens, on n'est pas obligé de tuer des gens. Non, vous ne voulez pas utiliser votre arme, mais on vote. De toute façon, elle a tout tiré. T'as dit ton dernier mot? Elle a tiré, elle a tapé sur la table. Non, elle n'a pas dit son dernier mot, je trouve. Je sais pas. Ah ouais, un cadavre qui parle, je trouve non, ça... Non, je sais pas. Moi, je sais pas. Non, mais tu peux le faire, c'est juste que... Je suis pas obligé de tuer pour qu'on survive. Non, personne ne peut tuer quelqu'un et on vote et puis ça se termine au vote. Moi, c'est sûr que c'est pas le bon truc parce qu'on peut pas voter contre moi. Ouais, mais c'est lui qui a dernier mot. Ben, jamais t'es mort. Non. Donc tout le monde me tue, moi, en fait, c'est ça? Ouais, parce qu'on pourra pas voter pour toi, anyway. Non. Mais tu peux aussi voter. Pourquoi? Parce que t'es obligé de la tuer? Ah non, je la tuerai pas, elle me donne un gun. Elle m'a donné un gun. Bah, aucune chance. Bah oui, mais alors c'est... Bah, ok, bah, très mauvais move, tout ça. Je te dis que maintenant, c'est Charlot, ton voisin. Ah! Parce que Benji est mort. Ah, ça joue comme ça? Je sais pas, c'est-tu le même? Ouais. Sauf que Charlot est beaucoup trop utile. Charlot est mort. On a fini, on sauve là. C'est fini. Charlotte est morte. Sors d'où, Joël? Je t'ai rien fait. Attends, Megan. Je t'ai rien fait. En tout cas, je t'avais rien fait encore. Moi, je vais garder ça, puis je vais te faire des poissons dans l'eau. Attends, Megan. On a survécu! Megan, là, tu peux tuer quelqu'un? Ouais, c'est fini, on est trois, on a survécu. Megan peut tuer quelqu'un et vous partez qu'à deux. Parce que là-dessus, Julien, voilà les moves qu'il a fait, le gars. Ouais, fait que Megan, t'es mort. Je t'ai pas tué, tabarnak! Non, mais je prends ça. Ça m'arrange tellement que Megan ne gagne pas, ça me bat. Mais c'est vrai.